Par rapport à la situation de la femme, on peut subdiviser hein, cette question en trois sous-questions, parce que cette situation est évolutive. Et premièrement, lorsqu'on parle de la situation des femmes, on voit tout d'abord la femme à la base, parce que il y a eu la guerre depuis une vingtaine d'années déjà, et la guerre a été utilisée comme a eu comme des boucliers hein, des femmes et a produit vraiment beaucoup de victimes dans la population féminine en République démocratique du Congo. Donc nous avons connu des violences, violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Et là, nous avons eu des milliers de femmes qui ont été touchées par ce fléau. Nombreuses sont celles qui sont mortes directement. Et il y a aussi des milliers de femmes qui restent des survivantes. Ces survivantes essayent aujourd'hui de survivre, évidemment, comme on dit survivantes. Elles essayent de survivre et de remonter leurs problèmes et essayer de vivre une situation de résilience. Et il y a une autre catégorie de femmes, ce sont ces femmes qui n'ont pas été directement violées sexuellement, mais qui ont subi des violations de droits de l'homme à travers les conflits, à travers la guerre. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui sont des déplacées dans leur propre pays et deviennent des réfugiées. Et elles ont tout perdu et elles sont devenues trop pauvres. Il y a aussi cette catégorie de femmes leaders aujourd'hui qui travaillent pour les autres, qui essayent d'utiliser leur position sociale, leurs connaissances, mais aussi leurs moyens pour essayer de défendre les autres femmes qui n'ont pas eu la chance d'émerger ou la chance de parler pour eux. Donc, ce sont des femmes porte-voix pour les autres femmes. En général, la situation n'est pas rose aujourd'hui en République démocratique du Congo en ce qui concerne la situation de la femme. Premièrement, ces femmes victimes de violences sexuelles, jusque-là, elles n'ont pas encore eu une justice équitable, elles n'ont pas encore eu la réparation dont elles méritent. Jusque-là, elles ne sont qu'en train de survivre, mais aussi elles sont abandonnées. Il y a aussi ces femmes qui sont aujourd'hui, qui restent toujours aujourd'hui déplacées dans leur propre pays et qu'elles sont en train de vivre une situation terrible. Et aussi les femmes, la troisième catégorie dont je vais parler, les femmes leaders, aujourd'hui elles cherchent aussi à se positionner dans la politique congolaise, enfin de faire changer la politique en termes de droits des femmes. Mais jusque-là, la situation ne s'améliore pas parce que cette femme non plus n'arrive pas à accéder au poste de pouvoir, au poste de commandement, pour essayer exactement de participer au développement et au changement dont la femme a besoin. Disons brièvement, en général, que la situation de la femme n'est pas tout à fait bonne, mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des avancées significatives. Si on regarde en arrière 10 ans, 5 ans avant, il y a quand même des situations où on peut dire que ça nous donne l'optimisme, ça nous rend optimiste parce que, il y a quand même des femmes survivantes de violences sexuelles qui deviennent aujourd'hui des femmes leaders, qui ont quitté leur état de victime et qui deviennent des femmes leaders suite au courage, suite à la résilience, suite et également au travail fourni par des femmes et des hommes épris de paix et qui essayent tant soit peu à apporter une réponse dans tous les domaines possibles, médical, prise en charge psychosociale, autonomisation de la femme, accompagnement juridique. Et ça fait en sorte que nous espérons que l'avenir sera meilleur pour les femmes congolaises. Mais jusqu'aujourd'hui, tout le monde continue de se battre sur tout le front afin que cette situation puisse cesser et nous continuons à dénoncer afin que cela ne puisse plus se produire nulle part ailleurs, bien qu'on connaît la situation du monde actuellement avec tous les pays qui connaissent la guerre et que la femme est utilisée comme arme de guerre. Chaque pays a ses réalités, chaque pays a sa culture, chaque pays a sa façon de se développer, et chaque pays a sa façon de voir les choses. Et dans tout le pays africain, évidemment, la femme, nous avons un point commun, nous, les femmes africaines, nous faisons face à nos cultures africaines. Dans chaque pays, selon
les situations données. Il y a des pays en Afrique qui n'ont jamais connu de guerre, comme nous, mais qui connaissent des mutilations sexuelles chez les femmes. Et donc ça aussi, c'est un autre combat qu'il faudra mener. Et les femmes africaines sont en train de travailler, de mener ces combats-là. Il y a aussi des pays en Afrique qui n'ont pas connu des guerres, mais la situation de la femme se détériore de plus en plus. La femme n'a pas accès au pouvoir, ou la femme n'a pas accès aux soins de santé, par exemple, à l'éducation, suite à des cultures rétrogrades, ainsi de suite. Mais aussi, nous avons aussi des pays en Afrique qui ont connu la guerre et que la femme, son corps a été utilisé comme arme de guerre dans le pays dont je suis ressortissante, la République démocratique du Congo. Donc, en général, on peut dire que la situation de la femme est préoccupante. Et en Afrique, la solution ne doit venir que d'une solution. Une solution doit être politique. Et politique sur tout le plan, politique économique, politique politicienne, scientifique et médicale également. Parce que la femme doit avoir un total accès aux infrastructures sanitaires, mais aussi accès à l'éducation. C'est ce qui est très important parce que partout en Afrique, dans tous les pays, l'accès de la femme à l'éducation est vraiment très limité. Nous avons un très grand nombre des enfants, femmes, filles, qui commencent l'école primaire, mais arrivés au collège, ça diminue, à l'université encore moins. Donc les femmes font face toujours à ces problèmes-là. Et sans éducation, la femme ne peut pas prétendre à un développement considérable et durable. Mais aussi l'accès aux finances, l'accès à l'autonomisation, l'accès au marché, et ainsi de suite. Donc la femme est devenue, elle reste pauvre en Afrique parce qu'elle manque, elle est butée à des problèmes d'accessibilité aux finances. Et c'est là, suite à cette manque d'éducation. Voilà, donc la meilleure solution en Afrique, c'est l'accès à la femme, l'accès total à l'éducation, mais aussi lorsque dans les pays en guerre, la solution serait que les belligérants, disons, ceux qui sont meneurs, ceux qui instrumentalisent le pouvoir, ceux qui instrumentalisent le gouvernement en Afrique, je parle également au niveau international, le multinational, le gouvernement européens qui sont là en train de tirer des ficelles, orchestrer les conflits, orchestrer la situation politique dégradante en Afrique, d'essayer un peu ou bien de faire une politique de gagnant-gagnant, de partenariat gagnant-gagnant pour essayer de laisser l'Afrique vivre, comme on l'a dit, et que l'Afrique puisse se développer selon ses propres moyens, selon ses propres cultures, selon sa propre démocratie à développer. Parce que, également, lorsque on vient imposer une ligne de conduite en Afrique, c'est compliqué parce que nous avons tous des différentes cultures, des différentes réalités et chaque pays doit s'adapter selon ses propres réalités. Mais étant donné que la femme en Afrique a des points de convergence par rapport à certains problèmes spécifiques, ces problèmes spécifiques devraient normalement être résolus dans l'optique des pensées intégrées au fait la femme dans les discussions. Des recherches et des solutions. Et donc, lorsque on essaye de réfléchir sur la solution de la femme sans cette femme-là, eh bien évidemment, il n'y aura pas de solution durable. Et donc, parmi aussi les suggestions, des solutions, il est important de créer des plateformes en Afrique qui regroupent les femmes de différents pays afin qu'elles puissent discuter elles-mêmes sur leur politique, sur leur accès au pouvoir et qu'elle puisse définir vraiment des modalités à imposer ou à présenter aux dirigeants. Au fait, c'est une passion. Je continue, c'est par passion et par nécessité également, parce que j'évolue dans un monde où on ne peut pas croiser les bras. Lorsqu'on croise le bras dans ce que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo, donc on est très fort dans cette optique d'insensibilité.
Alors, aussi, ma position en tant que juriste, ça me pousse toujours à agir parce que je vois ce que les autres ne voient pas. Je vois les injustices et j'ai toujours envie de les dénoncer. En tant que journaliste, j'ai la langue, comme on peut dire, la langue pendue parce qu'il faut que je parle, il faut que je dénonce, il faut que j'aille voir ce qui ne va pas et que j'en parle. Et voilà que cette situation ne plaît pas à tout le monde, surtout les belligérants, surtout les personnes qui sont concernées et qui se sentent vraiment concernées par ce que nous faisons comme travail. Les menaces, c'est le pain au quotidien des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi des journalistes qui sont engagés. Et je ne suis pas la seule, il y a tellement de défenseurs de droits de l'homme au Congo, de journalistes au Congo qui sont chaque jour, qui font chaque jour état de menaces, qui sont menacés chaque jour, même sur le plan international. Un journaliste qui met son nez partout, voilà, qui reçoit des menaces, il y a ceux qui sont morts, exécutés littéralement. Mais cela ne nous empêche pas de regarder le monde d'un bon œil et de continuer à lutter parce que ce qui nous fait réveiller, ce qui nous fait continuer notre lutte, c'est un monde juste où règne le respect des droits de l'homme, où règne surtout le respect de la femme. Parce que nous sommes convaincus que, surtout chez nous en Afrique, lorsque la femme aura cette place dont elle mérite, l'Afrique sera un continent de paix, havre de paix pour tout le monde et le développement va s'en suivre. Et donc, on ne peut pas croiser les bras, on ne peut pas ne pas dénoncer ce qui nous entoure et c'est dire que nous travaillons pour une bonne cause et que les générations futures qui viendront après nous vont voir notre travail et vont comprendre d'où nous sommes venus et c'est que là où nous sommes en train de partir. Donc, c'est seulement cette ambition-là et cette envie-là qui nous fait continuer notre travail.